Nous sommes des êtres spéciaux parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne comment marcher, c'est lui qui nous enseigne où nous devons aller. Partout il nous guide, dit la parole, partout il nous mène, nous le suivrons. Pourquoi ? Parce qu'il est le bon berger. Il est dit, et nous le savons, que nous pouvons nous trouver dans une condition de tiédeur. Nous pouvons nous trouver dans une condition dans laquelle nous sommes bouillants. Nous pouvons nous trouver dans une condition dans laquelle nous sommes chauds. Nous pouvons nous trouver dans une condition dans laquelle nous sommes froids. Nous observons aujourd'hui que, et ça, beaucoup de gens n'aiment pas en parler, cela est triste parce que nous devons dénoncer cela, pas pour faire mal, mais pour ramener les bien-aimés, nos bien-aimés, vers la volonté, et mieux, dans la volonté du Seigneur. Nous voyons combien de personnes vacillent, ça et là, combien de personnes sont dans les églises, combien les églises sont pleines les dimanches. Et nous voyons combien les églises sont vides de la semaine. Nous voyons la nature même des personnes qui viennent à l'église, qui aiment le Seigneur à leur manière et qui cherchent le Seigneur également en utilisant leur manière. Mais le Seigneur dit bien ceci, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Telle est la situation dans laquelle vont se trouver nombreux des nôtres s'ils continuent à vaciller, s'ils continuent à zigzaguer, s'ils continuent à valser avec leur foi chrétienne. Il y a encore des gens, et nous devons le dire, j'insiste dessus, il y a des gens qui, dans la semaine, préfèrent aller chez des marabouts. Il y a des gens qui, dans la semaine, préfèrent aller chez des charlatans. Il y a des gens qui, dans la semaine, préfèrent aller auprès des vendeurs d'illusions que de chercher la face de Dieu. Et le dimanche, les églises sont pleines parce que l'on doit plaire à un pasteur, on doit plaire à une sœur en Christ, on doit plaire à un frère en Christ. Et j'ai l'impression de dire que ces personnes sont des frères et des sœurs en crise et non en Christ. Parce que le Christ est ressuscité, le Christ vit en nous afin que nous puissions vivre auprès de lui, vivre comme lui. Le fait d'aller auprès des féticheurs, de chercher l'aide en dehors de la maison de Dieu, ne va pas t'accorder l'humilité auprès du Seigneur au moment du jugement. Parce que le jour du jugement, le Seigneur jugera certainement plus dur ceux qui ont cru en lui et qui ont valsé ça et là. Ceux qui l'ont accepté et qui se sont par la suite retractés vers son ennemi. Le fait, mon frère, le fait, ma sœur, que tu ailles consulter des féticheurs, des vendeurs d'illusions, que tu ailles jouer aux osselets, jouer au courri, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur pour toi est que tu sois bouillant, mon frère, ma sœur. La volonté du Seigneur pour toi est que tu sois béni à tous égards auprès de lui. La volonté du Seigneur, c'est que tu le cherches, lui, Dieu, lui, Créateur du ciel et de la terre, que tu marches selon les prescriptions de son Fils Jésus-Christ, et que tu tendes ta main vers lui, et que tu invoques le nom de son Fils, le nom de celui qui est ton seul et unique Sauveur.
quelle est la volonté du Seigneur. Et lorsque tu cesseras d'aller vers ces vendeurs d'illusions, lorsque tu cesseras d'aller vers ces maisons où on ne vend rien du tout que de la saleté, le jour où tu cesseras d'aller dans ces lieux, certainement le Seigneur t'ouvrira ses bras. Certainement le Seigneur te dira à toi, bien, bon retour vers moi, mon fils bien-aimé. Tu es le fils bien-aimé du Seigneur, tu es la fille bien-aimée du Seigneur. Laisse ces chemins qui ne sont pas les chemins de bonté. Laisse ces chemins qui ne conduisent à aucune gloire. Mais ces chemins te conduisent dans la pire des vanités qui puissent exister. Regarde vers lui, le Seigneur des Seigneurs, et loue son Saint-Nom parce qu'il est ton Sauveur. Et que son nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.